Hi everyone, my name is Mohamed Rahmani, and today with two of my friends, Qasim Haji and Shadi Muzafakir, we will present a topic that is interesting, which is intercultural negotiations. So we all know that negotiations are similar in that they involve people taking initials, position offering, a proposal, a counter-proposal, and concession, and so finally get into an agreement. Well, there's two main ways of looking to engage at negotiation. First of all, first one is distributive way, which means win-lose. And there is integrative way, which means win-win. Distributive bargaining emphasizes individual gains. Resources are viewed as limited, and everyone wants to claim their share of the pie. Distributive bargainers tend to avoid sharing or mispresent information and view other parties as the enemy to be defeated. Integrative bargaining emphasizes joint gains by engaging in cooperative problem solving. The goals of integrative bargaining is to expand the pie, so there is more for everyone. Well, integrative bargainers tend to share information openly and view other parties as partner or teammates. In all integrative negotiations, it is important to keep in mind the following tips of principal negotiation. First of all, there is to separate the people from the problem. It is possible to be soft on the people, but still hard on the problem, even if you perceive the people as the reason for the problem. Focus on the interest, not the position. Sometimes people take positions that don't reflect their real interest. Focus on the reason why people want what they want. Positions are always changeable. In any given scenario, there is more than one solution. Make sure you're brainstorming to think of every possible solution that could get you to a resolution. Well, finally, use objective criteria rather than making negotiation. A contest of will concentrates on using a standard agreed upon measure of success that everyone can work toward. When several people or organizations are involved in a negotiation, it becomes a complex interaction that requires serious consideration and a range of approach, recognizing its complexity, which is what this next section is all about, multi-stakeholder dialogue. What is stakeholding? Stakeholding is a process by which people or an organization are actively involved in a design, delivery review, and improvements of a product and a service. Stakeholder dialogue involves all interest groups of the concern in a two-way communication process. It focuses on increasing understanding and relations among stakeholders and generative of discouraging, blaming for the past and focuses on creating a shared future. The following four factors affect the quality of stakeholder dialogue. There is first commitment. Key people and resources must give top priority to the issue in the heart of the dialogue. Second of all, capacity. Physical, organizational, and human resources must be available. Consciousness. Dialogue must be weaved into the system rather than something extraneous to the organization. Different stakeholders require different strategies to manage them. There is a supportive stakeholder. This is the ideal stakeholder who support the organization goals and action try to involve them to maximize the cooperative potential. There's the second type, the marginal stakeholders. Neither highly threatening, not cooperative. They are generally not concerned, though they might have certain laws and issues. Those type needs to be monitored, then get them involved when issue related to them. The third type, the non-supportive stakeholders. These people have a high threat potential and are low on cooperative defense against them by reducing their interest in the organization or issue. And finally, the mixed blessing stakeholder. They have potential to threaten or cooperative management them with collaboration and seek to maximize stakeholder cooperation. For effective multi-stakeholder involvement, engage frequently and systematically. Remember that communication must be in two ways. So that's all I can say about stakeholders. And then I give the word to my friend Qasim to talk about the relation between negotiation and culture. And he will give some examples like India, Mali. And thank you. Donc. La culture est un élément central dans la vie sociale et dans les actions humaines, est un concept complexe, multiforme et fouillé.
L'une des définitions les plus ingénieuses et pertinentes qui a été proposée est celle d'Edouard Herriot. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Cette définition apparemment paradoxale exprime l'une des caractéristiques les plus importantes de la culture avant d'être un contenu et une manière de penser et d'être. En outre, l'individu est relativement peu conscient de cette réalité et de ses effets. Dans les négociations, comme dans toutes les actions humaines, la réflexion précède le mouvement. Ici aussi, les cultures génèrent des approches cognitives très différentes. Par exemple, les Japonais partent du contexte tandis que les Américains s'engagent immédiatement dans ce qui leur paraît le plus important, c'est-à-dire l'interaction elle-même. L'approche intellectuelle du Chinois est de nature holiste et repose sur l'évidence empirique, selon Chen, tandis que le mode de pensée occidental est analytique et se fonde sur une logique abstraite. Ainsi, la réflexion linéaire reposant sur la mise en évidence de relations causales univoques n'est pas un mode de raisonnement universel. Souvent, l'influence de la culture sur l'action d'un négociateur s'avère un peu perceptible selon Zachman. Cette qualité subtile ne réduit en rien son importance, mais l'inscrit dans le registre des facteurs d'invisible, de forêt et de rubis. Il apparaît indispensable d'organiser l'étude de l'impact de la culture sur la négociation selon des catégories permettant d'introduire un certain nombre de vies, selon Wells. L'appartenance à une culture dominante tend souvent à renforcer l'insensibilité culturelle et à dénier son impact. En effet, c'est par ces manifestations extérieures que les effets de la culture sur les différentes dimensions de la négociation peuvent être saisis. En l'occurrence, elle s'exprime par les acteurs dans la structure donnée de la négociation, dans les stratégies, dans le processus et enfin au regard des résultats. Donc, prenons quelques exemples de la négociation interculturelle dans certaines régions. On commence par le Japon. Donc, la question qui se pose, comment négocier avec les Japonais? Premièrement, la prépondérance de l'âge et du statut social. Les universitaires et les bureaucrates conservent un très fort prestige dans la société. Les entrepreneurs, encore peu nombreux, sont de plus en plus respectés et admirés. Soyez humble et patient. Suggérez des idées et les faire passer en douceur plutôt que d'y aller avec franchise. Lors de la réunion, chaque point est traité en détail. Ainsi, cherchez à convaincre le groupe et non pas une seule personne. Respectez le protocole de salutation et d'échange de cartes de la visite qui s'appelle, je pense, la Meshi. Très précis. Donc, un étranger sera autant plus apprécié et respecté qu'il manifestera un souci d'apprendre ses codes de la vie en société. Deuxièmement, prenons l'exemple en Chine. Donc, il existe 10 principales techniques de négociation avec les Chinois. Premièrement, il faut utiliser de l'amitié pour obtenir des concessions. Deuxièmement, utiliser la concurrence. Troisièmement, s'arranger pour que l'interlocuteur abatte ses cartes. Ainsi, utiliser les compétiteurs pour s'exercer. Profitez des investissements des étrangers ou de leur crainte de l'échec. Utilisez vos propres mots contre vous. Utilisez de la flatterie. Retardez les négociations jusqu'à la dernière minute. Gonflez les prix et cachez leurs vraies intentions. Et enfin, utilisez les interprètes. Donc, comment négocier avec les Chinois? Il faut se focaliser sur les points principaux. Je vais vous aborder ces points. Premièrement, l'importance de l'âge et du statut social. Les décisions sont issues d'un consensus collectif. Les relations humaines sont plus importantes que le contrat lui-même. Il est nécessaire d'avoir un réseau de relations, ainsi comme le cas dans le Japon, soyez humble et patient. Prenez l'exemple d'un pays, le Maroc. Donc, pour réussir ces réunions et ces négociations avec les Marocains, il faut évidemment personnaliser la relation, cultiver la patience et le recul, s'investir sur le long terme, faire fructifier les relations, le sens du contrat et ses implications. Donc, quelles sont les qualités requises pour réussir aux négociations au sein du Maroc? Donc, la prudence, la patience, l'humilité, le protocole et l'étiquette, les codes sociaux, le tenue vestimentaire, les cartes visibles, les cadeaux, les sujets délicats comme l'histoire, la politique, la religion, ainsi l'humour. C'est un outil à manier avec une modération. Donc, pour le dernier exemple, je vais vous aborder quels sont les points principaux. Pour la négociation culturelle en Inde. Donc, l'hindou et l'anglais sont les deux langues officielles utilisées pour les affaires en Inde. L'entretien est fixé avec au moins 2 mois d'anticipation. Les repas d'affaires fréquents, faites attention aux coutumes culinaires. Ne pas remercier les invitations avec un simple merci. Ne jamais dire non. Quand un Indien penche la tête, cela signifie qu'il est d'accord. Pensez du long terme.
être patient, toujours porter un costume. Donc, je cède la parole à mon ami Shadi Moutafkir qui va vous aborder les 5 règles d'or principales de la négociation culturelle. La négociation culturelle nécessite 5 règles dites d'or. Dans un article paru dans le Harvard Business Review, Erin Meyer, professeur et directeur de programme à l'INSEE, Institut européen d'administration des affaires, a identifié 5 règles d'or pour négocier un contrat dans un contexte interculturel. Première règle, c'est adapter sa manière d'exprimer un désaccord. Dans certaines cultures, comme en Russie ou aux Pays-Bas, il est normal d'être cash, dire « je ne suis pas du tout d'accord » ou « vous avez tort », tout simplement, est vu comme une étape normale d'une discussion saine, à partir du moment où le désaccord est exposé calmement et factuellement. Mais ailleurs dans le monde, le même comportement pourrait bien évoquer la colère de son interlocuteur, voire une rupture définitive des relations. Le conseil de Erin Meyer, faites attention aux adverbes. Les mélioratifs sont ces adverbes que l'on utilise pour appuyer son désaccord, comme totalement, pas du tout, complètement, etc. Et ainsi, il y a des atténuatifs. Un peu, en partie, relativement, peut-être, ainsi de suite. Adoucissent quant à eux la pensée. Les Russes, les Allemands, les Israéliens, les Hollandais font largement usage d'adverbes mélioratifs pour exprimer un désaccord. Alors, quant aux Mexicains, les Thaïs, les Japonais, les Péruviens ou encore les Guinéens font grand usage d'atténuatifs pour préserver leur point de vue. Remplacer ces adverbes dans leur contexte culturel. La deuxième règle, c'est comprendre les émotions. C'est une règle qui est primordiale. Dans certaines cultures, il est courant et parfaitement normal d'élever la voix en cours de discussion ou de rire à gorge déployée ou de toucher même son interlocuteur. Et dans d'autres, une telle expression corporelle sera ressentie comme intrusive ou agressive, voire comme un manque de professionnalisme. Mais des gens d'une culture très émotionnelle peuvent aussi bien éviter tout désaccord ouvert. Les Mexicains, par exemple, tentent à contredire en douceur tout en exprimant visiblement leur émotion. Tandis que si un Allemand déclare « je ne suis pas du tout d'accord », il s'agit pour lui de débattre d'opinion, pas de désapprouver la personne qui est en face de lui. Ainsi, selon Erin Meyer, la seconde règle d'or des négociations interculturelles est de reconnaître ce que signifient les signes extérieurs d'émotion et d'adapter votre réaction en fonction. Est-ce mauvais signe si les négociateurs suédois qui, à le moment installés autour de vous, ne sont jamais entrés dans un débat ouvert et ont montré peu de passion au cours de la réunion? Pas du tout. Mais si vous rencontrez le même accueil en Israël, ne paierez pas cher sur la conclusion d'un accord. Ainsi, il y a la troisième règle, apprendre comment se bâtit la confiance, un élément si intéressant. La recherche ici sépare la confiance en deux catégories, cognitive d'une part, affective d'autre part. La confiance cognitive se fonde sur des faits, le parcours du commercial, son savoir-faire, sa fiabilité. Cette confiance est intellectuelle et se développe au fil du déroulement de l'affaire. La confiance affective vient d'ailleurs du cœur. Elle se construit sur des émotions. Proximité, empathie, sympathie, on rit ensemble, on se détend ensemble, on a des affinités à un niveau plutôt personnel. Si les Américains ne mélangent jamais les deux catégories, c'est exactement le contraire en Chine. Dans la plupart des pays de développement, récent. Ici intervient le conseil du professeur. Dans certaines cultures, il vous faut construire un lien affectif le plus tôt possible. Investissez du temps dans des repas, des verres, du golf ou plutôt des karaokés et n'évoquez jamais le contrat en cours. Il avance aussi, montrez un intérêt sincère à votre interlocuteur. Soyez patient car à la fin, non seulement vous serez fait un ami, mais vous aurez aussi conclu une affaire. La quatrième règle d'or, c'est éviter les questions fermées.
Prenons l'exemple en Indonésie. Il est tout simplement impoli de répondre non à une demande les yeux dans les yeux. À la place, nous essaierons de montrer notre désaccord à travers notre langage corporel ou le ton de notre voix, témoigne un fournisseur indonésien. Ou encore, nous dirons, nous ferons de notre mieux. Pas facile de retrouver pour l'exportateur, autant que l'interlocuteur sera persuadé d'avoir été ainsi compris entre les lignes. D'une manière générale, Aaron Meyer donne aussi un conseil. Quand vous voudrez savoir si votre interlocuteur est décidé, évitez de poser une question fermée. Par exemple, ne demandez pas « vous le ferez ?» mais plutôt « combien de temps ça va vous prendre de le faire ?» Et si vous posez de même une question fermée en Asie Sud ou de Est, au Japon, en Corée et peut-être aussi en Inde ou en Amérique latine, déployez toujours vos antennes émotionnelles. Même si la réponse est affirmative, quelque chose peut signifier un non. Un silence prolongé, un profond soupir, un « je vais essayer ». Il est alors probable que l'accord n'est pas conclu et que vous n'êtes pas au bout des négociations. La cinquième règle et la dernière règle des règles d'or, c'est avancer prudemment vers le contrat. La notion de contrat écrit est inhérente au commerce international, vu de la fenêtre américaine ou européenne. Mais dans de nombreux pays, un accord verbal constitue un engagement formel. Réclamer une confirmation écrite ou juste retracer l'accord dans un compte rendu écrit pourra être vécu comme une insulte ou un manque de confiance. Dans cette culture, un contrat marque le début d'une relation. Mais elle est entendue que si la situation change, les détails de l'accord changent aussi, d'où d'éventuels déconvenus. Ici, Aaron Meyer livre alors sa cinquième règle d'or, avancerait prudemment vers la signature du contrat. Demandez à votre interlocuteur de vous envoyer les premières propositions de contrat. Vous comprendrez mieux ce qu'ils ont en tête. Cela vous évitera de leur envoyer un document de 30 pages s'il attendait à 5. Et n'oubliez pas, dans le marché en fort développement, tout change très vite et aucun accord n'est jamais verrouillé à 100%. J'espère bien que la présentation vous plaira et merci.